m'appelle Manon, j'ai 17 ans et en dehors du lycée, je fais de la danse et un petit peu de guitare. Salut! In today's video, you're going to learn how you can introduce yourself in French by hearing other French people introduce themselves. Bonjour, my name is Rochelle DeMayo, your native French instructor from Belterre Academy. Here are ways students are introducing themselves and giving you a glimpse of what they enjoy doing. Du coup, moi, je m'appelle Paul, j'ai 17 ans, j'habite à Brive, je fais de la batterie et je fais du golf aussi, et j'aime bien jouer au basket avec mes amis. Je m'appelle Elsa, j'ai 17 ans, j'aime bien écouter de la musique ou regarder des films et des séries, et j'aime bien cuisiner, voilà. There are many ways that you can introduce yourself in French, and by listening to what others and how they introduce themselves, you can learn how to do it for yourself. One easy way is by saying, je m'appelle Rachel, je m'appelle, or je me présente Rachel. And you're introducing yourself, like I'm presenting myself literally. Ou moi, c'est Rachel. Moi, c'est Rachel. Donc je me présente, je m'appelle Farbonchain, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Dans mes passe-temps, bah, je fais de la natation. Après, j'aime beaucoup dessiner et écouter de la musique. Et du coup, je me présente, je m'appelle Joanne Courtiol, j'ai 18 ans, je suis en terminale. En dehors du lycée, je fais la gymnastique rythmique et j'aime sortir et voir mes amis, quand c'était possible avant le Covid, bien sûr, mais voilà. Je m'appelle Ophélie Gourdon, j'ai 17 ans. Je suis au lycée et en dehors du lycée, je fais du tennis et j'aime bien aussi sortir avec mes amis, bon, quand c'était possible, bien sûr. Et sinon, j'aime bien lire et regarder des vidéos. Voilà. Je m'appelle Axel, j'ai 17 ans aussi et je vis à Brive avec mon petit frère et mes parents. J'aime bien sortir, je suis pas trop casanière comme on dit. J'aime bien faire du sport comme du basket, sortir avec mes amis, aller dans la nature. Je m'appelle Louise et moi ce que j'aime faire dans la vie c'est du sport et j'aime beaucoup les animaux aussi. Après j'aime bien aussi tout ce qui touche à l'art, même si je ne m'y connais pas trop. Donc peut-être si quelqu'un s'y connaît en art pourrait m'apprendre quelque chose. Voilà. Bah, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 17 ans et puis en passe-temps, j'aime bien lire. J'ai commencé à jouer aux échecs récemment, donc si quelqu'un souhaite partager ça, je veux bien. Et puis oui, je dessine et puis j'aime bien me balader dans la nature. Etc. And you might want to use phrases as je suis, par exemple, je suis professeur de français. And you could talk about yourself that way to introduce yourself. Je m'appelle Madame Bor, j'ai 17 ans, j'habite à Brive, j'ai deux sœurs. Et en dehors de l'école, j'aime bien cuisiner, aller voir des films au cinéma et je fais de la boxe, voilà. Je m'appelle Marie, j'ai 17 ans et j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, donc... Je ne sais pas si je pourrais qualifier mes passions parce que je fais beaucoup de choses. Ça dépend ce que j'ai envie et voilà, ça dépend des journées du coup. Je m'appelle Julia, j'ai 17 ans. J'aime beaucoup la musique, regarder des séries, beaucoup de musique américaine justement. Je n'écoute pas du tout la musique française. J'aime bien cuisiner et sortir quand on pouvait, mais du coup là, ce n'est pas trop possible. Je m'appelle Romane. J'ai 17 ans et je suis passionnée par la musique, surtout le piano. J'en fais depuis 4 ans maintenant. J'aime bien aussi le basket. J'en ai fait pendant longtemps en club. Et après, quoi d'autre? J'aime bien cuisiner, mais juste faire la pâtisserie parce que le reste, j'aime pas. Après, passer du temps avec mes amis et voilà. There's a bonus tip that I'm going to share on how you can develop a friendship with a French person that you're meeting. Before I share it, go ahead and give this video a thumbs up if you're getting value out of it.
Merci. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 17 ans. Dans la vie, j'aime passer du temps avec mes chiennes, faire des nail art, des DIY. J'aime écouter de la musique, regarder des films. Et j'aime aussi voyager, même si c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai 17 ans, j'habite à Brive, j'ai deux chiens. J'aime beaucoup cuisiner, regarder des films, des séries. J'aime beaucoup faire du basket avec mes amis. Et après, j'aime énormément les mangas et toute la culture japonaise. Je m'appelle Margot, j'ai 17 ans, j'habite à Brive. J'aime monter à cheval, je monte à cheval depuis que je suis toute petite. J'ai aussi une chienne qui s'appelle Luna. J'adore passer du temps avec mes amis, comme par exemple ce soir je suis chez ma meilleure amie parce que j'aime passer du temps avec elle et j'adore écouter de la musique et voilà. Something you may have noticed while listening to these French students talk about themselves and introduce themselves is that they also mentioned their hobbies. Now, why would this be important? When you're first meeting someone, possibly thinking about developing a friendship with them, it's good to see what you have in common with them. Possibly activities that you like to do, a common job, whatever kind of activity, maybe you both have kids or are married or both are single, or possibly that you both enjoy traveling, but you're trying to look for something that you have in common with that person. So by introducing yourself and describing some of the things that are important to your life, you're going to find someone who can relate to that and you can have that connection, which will start a friendship. Why it's important is whether you are just meeting a French person for the very first time, being introduced to someone by a common friend, or whether you are on a pen pal website or connecting at Belterre Academy with some of our pen pals and our programs, it's good to find what you have in common with that person, which will start the friendship up. Je m'appelle Mélina, j'ai 17 ans, comme tout le monde, je vais avoir 18 ans cette année. J'ai pas vraiment de passion dans la vie, mais j'aime beaucoup traîner avec mes amis. Je regarde beaucoup de séries en anglais et je lis aussi en français et en anglais. Et mon animal préféré c'est le chien. Enfin, voilà. J'ai pas trop de choses à dire sur moi, mais voilà. Je m'appelle Maëva. J'aime bien écouter de la musique, regarder des films, des séries. J'aime bien la danse aussi, j'aime bien danser, j'aime bien me promener dehors et j'aime bien aussi les sports de combat. Voilà. Je m'appelle Louise, j'ai 17 ans. Je fais beaucoup de sports en dehors du lycée. Je fais du triathlon depuis 10 ans. Et après, j'aime aussi faire du piano et puis un peu toutes sortes de trucs manuels un peu. Genre la peinture, du dessin et des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Je m'appelle Lisa, j'ai 17 ans et j'ai deux grandes passions, le dessin et la lecture, parce que je dessine énormément depuis pas mal d'années et je lis beaucoup aussi, que ce soit en français ou en anglais. Et puis j'aime beaucoup aller au cinéma, enfin quand c'était encore possible. Et voilà. Donc, je m'appelle Élise, j'ai 17 ans. J'aime bien faire du sport, faire de la cuisine, voilà, et sortir avec mes amis, etc. Ouais. J'ai 18 ans. j'aime bien la musique et sortir avec mes potes. Et voilà, je crois que c'est tout. Ok. So what do you think? What are ways that you have developed a long-term friendship with a French-speaking friend? I would love to know, so comment below and share how you have become friends and developed a friendship with somebody that speaks French. Merci les amis, à bientôt.